Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Je vous recommande particulièrement cette émission. La pauvreté est dans nos têtes. Pourquoi elle est dans nos têtes? Je crois que souvent nous minimisons ce que la rencontre entre la civilisation européenne et la nôtre, ce que ça a donné. Il faut que nous y revenions, parce que c'est à ce moment-là que nous avons perdu l'essentiel. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nous continuons à chercher nos repères. Nos repères sont à chercher à ce moment-là où cette autre civilisation a fait table rase de nous. Beaucoup d'amis m'ont dit, mais 60 ans encore, vous parlez des autres. Oui, le mal a été fait à ce moment-là. Pour animer cette émission, vous l'avez vu défiler devant vous. Cyril Mobimba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Kibambi chez toi. Bonigaba Modeste, Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibambi. Je voudrais corriger ce que j'ai dit. On commence toujours par le prénom. On dit bien prénom. Enfin, nous y reviendrons. Monsieur Mobimba, c'est vrai que quand les deux civilisations se sont rencontrées, nous avons perdu la nôtre. Quelle est votre première idée, celle qui vous arrive à l'esprit? Bon, nous avons perdu la nôtre, ça peut paraître comme un postulat gratuit comme ça, mais il est bon de signaler dès le départ. Et moi, par exemple, j'ai suivi, déjà on a commencé avec quoi là, les Bénin, on est avec le Tchad cette semaine, Alain Foka avec les indépendances africaines. Les discussions qu'il y a, ça m'intéresse beaucoup. Après 60 ans, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous êtes devenu sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de ceci? Et c'est la question que nous pouvons nous poser. C'est cette question, la réponse à ces questions qui montre que le Congo, 60 ans après l'indépendance, le Congo, 5 siècles après la rencontre avec les Occidentaux, qu'est-ce que l'Afrique est devenue? Et on peut dire qu'on a gagné quand même un certain nombre de choses. Parmi les choses qu'on a gagnées, moi je ne peux pas citer la langue française parce que nous avions nos langues. Et parfois, dans une certaine mesure, plus riche que le français. Mais j'ai toujours pensé que l'instruction pour lire, écrire et calculer, ça c'est vraiment un apport. C'est un apport important et aussi la recherche permanente de la qualité de la vie, c'est quelque chose qu'on a eu, à mon avis, de la culture occidentale. Mais en dehors de ça, je ne vois rien d'autre de positif, sauf qu'on a détruit beaucoup de choses. Nous avons des choses qu'on a, des institutions qui sous-tendaient qui constituait le pivot même de la civilisation. Complètement détruit. Oui, je peux revenir à vous un petit instant, le temps de donner à Modeste Modigaba de donner son point de vue ou son introduction à lui. Oui, c'est vrai que cette rencontre, à partir du moment où elle n'était pas une rencontre entre deux qui traitent d'égal à égal, mais plutôt une rencontre brutale et violente pour dominer l'autre. C'est ça l'esclavage. Et ceux qui viennent pour dominer vont élaborer toute une stratégie, le fameux code noir. Vous dites, comment on fait pour perpétuer cette domination? Effectivement, ils vont chercher dans notre être,
ce qu'il y a de faible, les faiblesses qu'il y a dans notre organisation interne. Ils vont trouver que c'est facile de les diviser sur des petites choses, de rien du tout. On va dire, non, vous savez, lui, il est plus grand de taille, donc vous ne pouvez pas être pareil, vous ne pouvez pas être les mêmes. Celui-là, il est un peu plus clair, vous êtes un peu plus foncé, vous ne pouvez pas être les mêmes. Donc, diviser pour mieux régner, ils ont appliqué ça avec beaucoup de raffinement, au point que, effectivement, nous avons commencé à nous entretuer entre nous. Donc, nous n'avons même pas attendu qu'ils viennent nous tuer comme cela se passait en Amérique, où l'Indien est là, on tire dessus, c'est tout. Nous, on a utilisé nos propres frères pour que nous puissions nous affaiblir par des guerres fratricides. Et donc, nous avons prêté le flanc à cette domination, quelque part. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que la traite qui consistait à aller prendre une main d'œuvre ici pour amener là-bas, afin d'exploiter les richesses qu'il y avait là-bas, les plantations et tout, ils se sont rendus compte que ce n'était plus aussi utile, productif de continuer comme ça. Il fallait stabiliser ces populations là où elles étaient pour commencer à les utiliser là, à exploiter les ressources qu'il y avait localement. Donc la colonisation n'a été qu'une continuation du système précédent, dans ce sens qu'il fallait continuer à exploiter le noir qui était là. Et ça, c'est intéressant de le souligner parce que lorsque, par exemple, on parle de la conférence de Berlin, c'est 1885. Eh bien, le Japon, qui était jusqu'en 1860 refusé le contact avec les Européens, en 1860, ils se sont dit, non, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on peut quand même aller prendre chez eux, apprendre chez eux. Ils sont acceptés de s'ouvrir, mais à leurs conditions à eux. D'accord. Merci déjà d'arriver à ce niveau. Donc, on peut dire que nous avons tout perdu. Mais les gens qui ont tout perdu, ils ressemblent à des papillons que le vent amène où il veut. Parce que, et nous avons toujours, l'avons toujours dit, nous ne sommes et nous ne deviendrons jamais des blancs totalement. Et revenir, recourir à nos anciennes valeurs est un effort presque surhumain qu'il faut mettre en marche. On commencerait par quoi, mon Bimba, Achimba? Ben, c'est une question, Kibambi. C'est une question par où commencer. Moi, je pense même que il y a eu un début de commencement, mais qui avait mal tourné. Ça ne fait rien, mais il faut, dans la vie, on échoue toujours. On tente quelque chose, on échoue. Ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on ne peut plus jamais tenter. Et c'est là peut-être aussi ce qu'il faut mettre au crédit des Occidentaux. Ils laissaient quelque chose, ils vont mourir là-bas. D'autres disent, non, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Et ils dépassent là où ils étaient partis pour voir, découvrir, jusqu'à ce qu'ils arrivent à voir. Mais nous, il suffit que deux, trois personnes tombent, on fouille direct, définitivement plus personne. Alors. Oui, mais en fait, nous, là, nous sommes ces personnes qui ne sont plus ce que nous étions avant. Oui. C'est normal que nous ne soyons pas très aventuriers. Ce n'est pas ce que nous étions avant, parce que nous avons des philosophies de vie différentes avec les Occidentaux. Les Occidentaux, quand ils sont venus, moi je me souviens encore de ce qu'on me racontait par les grands-parents qui ont entendu l'histoire de l'Angola, comment ils sont arrivés à Luanda, comment ils ont fui là-bas. Que, quand les gens arrivent, nous les recevons d'abord comme des visiteurs qui viennent. Et d'ailleurs, le terme Mundele, ils disent que c'est eux qui avaient donné, parce que Mundele, ça vient de Ndele, en Kipende. Ndele, c'est un revenant, quelqu'un qui est mort, qui est revenu. La première chose qu'on fait, on négocie avec la personne pour la recevoir avec hospitalité et tout ceci,
croire peut-être un humain comme nous, il est revenu pour vivre, on t'accorde cette... Mais l'autre utilise votre humanité, profite de votre hospitalité pour vous étudier, étudier vos faiblesses, pour se retourner après, en réalité, je ne suis pas ton ami. Pas étape dessus terminée, il prend tout ce que tu as. C'est ce qui s'est passé. Donc, il y a une certaine... on appelle ça naïveté, quoi. Hein, naïveté, mais en réalité, c'est quoi? On a abusé de l'hospitalité des Africains. Et puis, pourquoi on se poserait pas la question? Maintenant, on a la réponse. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? En fait, ils étaient demandeurs de quelque chose qu'ils ont trouvé. Et... à ce moment-là. Oui, ce qu'ils cherchaient, c'est chercher à dominer. Il faut voir tout le temps, de tout le temps, Jean-Pierre, de tout le temps, les Occidentaux, nous l'avons appris en psychologie pour dire que lorsque vous rencontrez un ennemi, un inconnu, quelque part, le premier sentiment, c'est quoi? C'est la peur. Et la peur vous pousse soit à... à fuir ou à vous battre. Oui. Il y a deux. Fuir ou vous battre. Mais vos ancêtres, ils ont ajouté à fuir ou vous battre, à négocier pour l'hospitalité. Il y a cet élément-là. Alors qu'ailleurs, non. Regardez par exemple tous les jeux qu'on nous propose, les jeux électroniques. C'est autour de l'arme et de la tuerie. Mm-hmm. Il n'y a pas autre chose. L'arme, la tuerie. Le jeu électronique. Le sang. Regarde un peu dans le passé, pas très très lointain, bon, peut-être un peu avant Jésus-Christ aussi, à Rome. Quel était le grand sport dans tous ces stadiums dont nous voyons les... C'était les gladiateurs. Les gladiateurs. Et les gladiateurs, c'était quoi? Vous jouez jusqu'à... Quand tu enfonces ton épée dans la poitrine de l'autre, dans ses poumons, il tombe, il meurt. Parfois, on buvait le sang. Et alors, les gens applaudissent. Applaudissent parce qu'il y a quelqu'un qu'on est en train de tuer. Et même le jeu avec les taureaux. La tauromachie. Ah. Et c'est comme ça, quand tu vois, tu tues le taureau ou les taureaux te tuent et les gens sont en train d'applaudir. Donc c'est cette agressivité avec la soif du sang, la face de dominer et la soif du spectacle. Oui, et c'est ça qui domine ces non-frères de l'Occident. Regardez même dans les entreprises. Quand je travaillais avec beaucoup de mes amis de l'Occident, américains bien, et des Européens aussi. Et d'ailleurs, dans tous les ouvrages de management, on vous dit, il faut être agressif. Compétitif. Oui. Hein? Il faut être ambitieux. Les jeunes, vous devez être ambitieux et compétitif. On ne dirait pas ça chez nous. Marketing agressif. Chez nous, on ne dirait pas ça. Ce n'est pas une valeur. Être compétitif. Nous, on dit, faites un effort d'émulation. Tu fais comme l'autre aussi, mais pas nécessairement pour dépasser. Parce que la peur, j'ai fait une conférence en 1994 à l'ISC Matadi, où j'ai parlé de l'égalisation vers le bas, et malheureusement, je n'avais pas terminé, les jeunes gens n'avaient pas bien compris ma pensée. Je crois que non, c'est les Bantous ont fait l'égalisation. Le nivellement. Vous voulez remettre, on vous ramène pas les bas pour être niveau. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Mais le but, ce n'est pas qu'on ne fasse pas de progrès. Le but, c'est que le progrès doit se faire au bénéfice de tous. De l'humanité. Oui, de tous. Vous voulez progresser, remonter. Oui, prenez 3, 4, 5, vous remontez. Et les autres vous tiennent par, et vous montez ensemble. Nous avons des traits de culture, de civilisation qui sont ancrés en nous. Et l'occidental, quand il est venu, ce n'est pas pour dire que je vais découvrir les gens, les saluer, les amis. Oh, nous sommes nombreux, nous n'avons jamais su que nous étions, c'était une grande variété. Non,
chercher les gens à dominer. Tout à fait. Or, les Africains, il faut lire Sartima. Sartima, qui a écrit les livres d'un Américain. Ils y étaient avant Jésus-Christ. Ils y étaient avant Jésus-Christ. Ils démontrent que des missions de l'Afrique occidentale sont allées en Amérique avant Christophe Colomb. Ils sont allés s'installer. D'ailleurs, quand Christophe Colomb est parti, il a trouvé des colonies de négros africains en Amérique. Mais eux, ils ne sont jamais allés pour dominer les autres. D'accord. Oui, donc je crois que... On avoue déjà là que les deux esprits sont presque contraires et le nôtre, était apparemment inférieur, mais supérieur sur le plan spirituel peut-être. Oui, c'est que effectivement les deux civilisations qui se rencontrent ne sont pas sur les mêmes bases. L'esprit de conquête, on l'avait déjà ici, entre nous ici, parce que les empires se sont constitués sur cette base-là. Au départ, c'était un petit noyau, et puis ça s'agrandit, en allant conquérir des espaces. Mais nous, lorsque nous entrons en contact, moi je crois que c'est ça la chose la plus importante, c'est que... Est-ce que je peux vous arrêter pour vous poser juste une question? En fait... c'est pour ça que j'ai envie de donner raison à Mobimba. Regardez l'Empire Lunda. C'est pas l'agression. L'Empire Lunda va conquérir par la négociation. Donc, on pouvait aussi conquérir par la négociation. Les Lunda viennent de là où ils sont venus, ils font des conquêtes, mais jamais de bagarre. Je ne sais pas si vous qui êtes Lunda. Oui, je suis Lunda et je te raconte ce qu'on m'a raconté. Il peut y avoir d'autres versions. On a dit que lorsque nous sommes partis du Soudan de Nubie, nous sommes allés vers le Tchad. Mais le Tchad, il y avait un monde fou aux environs de la Tchad. Et les Bantous se sont dispersés. Une partie est restée là-bas jusqu'au Nigeria. Une partie est descendue par le Cameroun pour passer par la Guinée, les Gabon pour venir ici. Et la grande partie est retournée au niveau de Nubie, ils sont commencés à descendre. Et en descendant, ils sont arrivés jusqu'au Cap. Mais alors, ceux qui sont venus après, ils voulaient entrer justement au niveau de l'Afrique du Sud là. Mais il y avait une barrière parce qu'il y avait des peuples guerriers qui étaient déjà donc là. Donc, il y avait aussi des bagarres. Comme des Zoulous et des Kossa. Et eux, ils ont rebroussé chemin pour chercher à trouver le nouveau territoire. Ils arrivent pour occuper le territoire, ils se battent. Mais quand quelqu'un est blessé, au moment où il pleure, il parle, ils sentent que... Mais il parle une langue comme la nôtre. Alors ils disent, non, stoppez. Qu'est-ce qui se passe? Les gens se consultent, ils trouvent que... Mais on est entre nous. C'est nous, entre nous. D'accord. Et alors, ils ont dit, nous allons constituer un pouvoir qui consiste à être une fratrie, une camaraderie, où on s'ajoute l'un au-dessus de l'autre. D'accord. Au fait, Mulunda, c'est ami. Oui, dans toutes les langues. Enfin, dans le et en même temps, ça vient du verbe Kulunda, ça signifie que superposé. D'accord. Et c'est comme ça, mais ce n'était pas par conquête, aller tuer, dominer un peu, non. D'accord. Oui, c'est-à-dire que l'histoire du monde a montré qu'on a utilisé toutes ces techniques-là. Oui. Là où il fallait négocier, on négocie. Là où c'était dur, on se rend dedans. Oui, donc on a utilisé tout ça, ou bien on va épouser la fille de... Voilà. Et ainsi de suite. Donc il y avait toutes ces méthodes-là. Même en Europe, c'est comme ça que les pays se sont constitués. Mais maintenant, nous parlons du contact entre l'homme blanc et le noir. Ouais. C'est là où nous sommes. Donc, nous constatons que l'homme blanc, comme l'a dit Cyril, il vient d'abord... En camarade. En camarade, il est content et tout ça. Et vous finissez par lui faire confiance, mais il va vous trahir à la fin.
pour prendre ce qu'il est venu chercher. Mmh. Et donc, à ce moment-là, nous sommes un peu surpris, évidemment, parce que on dit, mais tiens, pourtant c'était mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Non, et lui, il avait une idée derrière la tête. Et dès qu'il arrive, il veut maintenant consolider le pouvoir qu'il a sur vous. Eh bien, bon, c'est là qu'il organise le fameux divisé pour régner. Il va opposer les frères entre eux, ainsi de suite. Et finalement, nous nous sommes retrouvés, comme disait l'autre, avec nos Bibles, mais nos terres étaient déjà parties. Tout à fait, tout à fait. Alors maintenant, nous devons demander comment faire pour reconquérir ce qui nous a été ravi de façon un peu... Enfin, peut-être qu'on a essayé de reconquérir par les indépendances, mais entre-temps, le mal était plus profond. Ils avaient fait table rase de tout ce qu'il y avait comme valeur en nous. Et voilà, nous nous sommes retrouvés sans rien, rien du tout, dépossédés. Nous suivons jusqu'aujourd'hui, le bien, c'est ce qu'ils font. On copie servilement. Alors que l'enseignement, il y en avait chez nous, comment vous appelez ça encore, l'initiation, c'était une sorte d'enseignement où on enseignait aux enfants le vivre ensemble. Quand j'étais en Europe, les Européens eux-mêmes, mes amis me disaient, les professeurs me disaient, vous avez encore des valeurs comme la famille. Nous, on amène nos parents dans des hommes de vieillard. Vous vivez encore avec eux, avec vos parents. C'est des valeurs que nous avions, que nous continuons. Ils nous envient ces valeurs. Envie, ça. Et effectivement, il y a par exemple ceci. Parmi les valeurs qui ont été détruites par l'école et l'enseignement colonial, il y a la religion. Et la religion, on a accepté parce qu'il y avait des religions chez nous, la cosmogonie, bantou, etc. Mais avec le temps, on se rend compte que ceux qui nous enseignaient les valeurs, c'est d'ailleurs le Kimbangu qui s'est rendu compte, Simon Kimbangu, que vous nous dites que nous sommes des frères. Mais entre-temps, vous êtes en train de nous fouetter, en train de nous punir, tout ça, pour rien. Et deuxièmement, de par la parole de Dieu, on a dit que le sang est sacré. La vie, c'est le don de Dieu. Personne ne peut s'en apparaître et commencer à supprimer la vie aux autres. Mais vous le faites. Vous avez dit l'homosexualité, Sodome et Gomorre avaient été détruites à cause de l'homosexualité. Mais c'est l'homosexualité que vous tolérez, etc. D'ailleurs, même aujourd'hui, Sigimbangu était encore là, il allait s'étonner parce que même dans ceux qui sont dans les ordres, ils pratiquent l'homosexuel. Et alors, c'est qui fait quoi? C'est-à-dire, on a vidé le christianisme de son contenu. Il n'a servi que de piège pour endormir le peuple qu'on considérait comme naïf pouvant croire à n'importe quoi. Et donc ce qu'ils l'ont fait, et ce dont on avait besoin, c'était prendre des terres de richesse et donner un papier signé, vous nous donnez votre terre, alors qu'il ne sait ni lire ni écrire. Lorsque tout ça a été fait, c'est fini. La religion n'en a plus besoin et chez eux ils n'en ont plus besoin. Quand on constituait le statut de l'Union Européenne, j'ai entendu même quelqu'un s'est tourné pour dire que pas question de christianisme dans nos statuts, c'est fini cette histoire. Il faut pas non plus renvoyer le christianisme comme ça. Non, je fais le constat de ce qui se passe. De ce qui s'est passé, ça ne passe plus parce que c'est fini. Ce qui s'est passé en Occident, en Europe, en particulier. Donc, comme ils l'ont fait, et ce n'est pas la première fois que nous y revenons, comme ils l'ont fait en ayant en tête, avec la volonté que cela dure, c'était fait d'une manière méthodique. Nous avons lu sur ce plateau le Code noir. Pour déconstruire, il faut véritablement que nous sachions que cette opération a été faite dans la plus grande méchanceté, parce que faite pour la domination,
Si nous voulons vraiment réfléchir de nous-mêmes, il faut déconstruire, il faut que l'intellectuel congolais, l'intellectuel africain puisse monter toute une stratégie pour déconstruire tout ce qu'on a fait de mauvais sur nous et ainsi nous libérer et reprendre le chemin vers le développement, comme l'ont fait les Chinois, comme l'ont fait les Japonais, mais nous, nous nous sommes laissés aller, Modeste Monigaba. Oui, mais c'est pour cela que lorsque vous m'avez interrompu en disant qu'en 60, nous avons cru avoir effectivement repris possession, non, c'était faux. En fait, eux savaient que non, on va faire croire que maintenant ils sont revenus. Mais aujourd'hui, après 60 ans, toutes les émissions auxquelles on assiste sur ces 60 ans d'indépendance montrent que finalement, il n'y a pas eu de consistance là-dedans. Un marché de dupes. Un marché de dupes. C'est qu'en réalité, la chose qui nous a échappé le plus, c'est que redevenir propriétaire, il fallait plus que juste les petits documents qu'on a signés. Il fallait que dans la tête de chaque Congolais ou Africain, il puisse y avoir, à partir de cette date-là, de nouveaux réflexes, c'est-à-dire le réflexe du propriétaire. Or, qu'est-ce qu'un bon propriétaire fait lorsque il protège ce qu'il a. N'est-ce pas? Vous êtes propriétaire d'un espace qui devient votre bien, c'est vous qui devenez le patron. La première chose, je crois, le premier réflexe, c'est de choisir les meilleurs d'entre vous pour les gérer au nom de la communauté. Si vous n'avez pas ce réflexe-là, de choisir les meilleurs, et que vous laissez dicter les recommandations justement de ces anciens, entre guillemets, parce qu'ils le sont toujours, qui vous disent non, mais c'est elle qui peut gérer correctement. Eh bien, gérer correctement pour qui? Pour eux. Pour eux. Donc, 60 ans après, on se rend compte que le leadership en Afrique, c'est un leadership dicté. En fait, des capita, des commissionnaires. Eux, ils sont au service des maîtres. Leur maître, ce n'est pas leur population, mais ceux qui ont toujours été les maîtres avant. Donc aujourd'hui, peut-être qu'avec les 60 ans, beaucoup de gens maintenant commencent à découvrir qu'effectivement, on n'est jamais redevenu propriétaire de notre continent, de nos pays, et qu'il faut nous organiser différemment pour que nous puissions commencer déjà par ne faire émerger que les meilleurs d'entre nous. Pour nous gouverner, ce serait déjà un pas de géant. Oui, mais pour qu'ils acceptent, parce que je crois que quand nous parlons de ces histoires, nous ne nous, nous disons pas des vérités parce que nous avons peur de nous faire mal. Je crois qu'il faut être franc et dire que ce que nous appelons indépendance, je ne sais pas son contenu, parce qu'il y a des pays aujourd'hui où les ordres continuent à venir de l'étranger. La communauté internationale qui nous plaît tant d'évoquer, mais c'est finalement elle qui est en train de nous dicter les ordres parce que nous ne sommes pas encore redevenus véritablement nous-mêmes. Nous sommes des papillons ou des roseaux qui, au petit vent créé par ces gens-là, nous nous plions. Oui. Kibambi, nous l'avions dit la fois dernière, même si nous choisissons les meilleurs d'entre nous, ça serait les meilleurs du système. Les meilleurs du système. Et je trouve là que une des pistes, la piste qui m'est que j'aime beaucoup, c'est celle qui a été tracée par Mabi Kakalanda. Donc, ce n'est pas dans la gestion immédiatement, ce n'est pas dans la société, mais il faut refonder l'homme. Il a dit la remise en question base de la décolonisation mentale. Parce que nous avons parlé de la pauvreté qui est dans nous. C'est par la remise en question qui est la base de la décolonisation mentale. Alors, la remise en question de quoi?
remettre en question notre propre culture africaine, parce qu'elle n'a pas que de bonnes choses là-dedans. Donc aujourd'hui, avec le recul que nous avons des 60 ans, nous devons d'abord, un, étudier, identifier les segments de culture dans nos les segments de valeurs dans nos cultures, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et numéroter ce dont nous avons besoin pour notre développement aujourd'hui, et les autres nous les mettons un peu de côté, à ne pas encourager. Nous prenons également, d'abord ce que nous avons à encourager, nous en constituons le socle de notre civilisation, notre culture. C'est que tout le monde doit connaître, obligatoirement. Et les jeunes générations seront formées là-dessus. Et nous regardons maintenant du côté de la civilisation occidentale qui nous a été transmise un peu avant l'indépendance jusqu'à après, par l'école et tout ça. Tout n'était pas mauvais, mais tout n'est pas mauvais, parce que c'est juste qu'aujourd'hui. Nous regardons qu'est-ce que nous pouvons prendre là-dedans. En priorité. Que nous prendrons, non pas pour en faire un autre socle, parce qu'il n'y a qu'un socle, comme apport, comme additif à notre moi réel. Et nous ajoutons, parce qu'aucun peuple ne peut vivre. Même aujourd'hui, regardez les Chinois qui deviennent ceci. Mao a fait la révolution culturelle, d'abord nous Chinois, et ensuite, on a trouvé que notre socle constitué, nous pouvons maintenant aller voir chez les autres quels sont les éléments à amener pour que nous soyons à la page, au diapason du monde. Le Japon mêmement. Et donc, ce que nous pouvons faire, qui avait au fait commencé avec la révolution culturelle des années 72-73, Mabi Kakalanda, Madrandele Tanzi avec comme collaborateur de Mobutu, il y en a encore d'autres que vous connaissez très bien. Et d'ailleurs, il y a eu quelqu'un comme Tel Tshisekedi qui a été un des responsables de la rédaction du manifeste de la CELE. Il y en a d'autres. Et ceux-là, ils ont commencé, malheureusement, quand il y a eu une erreur qui a été, une erreur de parcours qui a été constatée, on a dit non, ce n'est pas le retour à l'authenticité, sinon vous revenez l'Africain d'il y a 5 siècles, ce n'est pas possible. On a dit, c'est le recours, c'est-à-dire nous allons recourir, trouver les valeurs fondamentales qui constituent le socle, et nous allons compléter avec les valeurs d'emprunt qui viennent d'autres civilisations. C'est ça. Refaire l'âme congolaise. C'est ça. Et moi, je trouve que cette piste-là de Mabi Kakalanda, elle a été essayée 72, 73, 74. Elle a échoué. Après, il faut y revenir. Il faut y revenir. Au fait, elle a échoué comment? Parce qu'elle a été combattue. Ça a été combattu. Je crois que Kibab doit le savoir plus avec le discours du président Mobutu aux Nations Unies. Mm-hmm. Il semble qu'il aurait été piégé même pour la zaïrianisation. Il semble qu'il a eu des conseillers venus d'ailleurs qui l'ont piégé comme ça. Il touche aux capitaux des étrangers et il se met sur le dos tous les étrangers. Parce qu'il quand il voulait notamment prendre la Gécamine et le reste, ok. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça a échoué. Mais il faut pas dire que ça a échoué. Donc, définitivement, ça va. Non, il y a lieu de retourner. De recourir. De recourir. Quand on t'a dit que tu vas dans. Où est le chemin pour aller à Maluku? On te montre, on te donne la carte, tu dois. Tu vas vers Njili et tout ça pour aller à Maluku. Mais quelqu'un d'autre te donne une carte, non, tu vas jusqu'au beach. Il faut revenir. Il faut revenir, que là, il faut revenir par où tu t'es trompé pour continuer. D'accord. Et c'est ça qu'on doit faire, ça honte. Parce qu'au rendez-vous du donner et du recevoir, il faudrait quand même que nous donnions quelque chose de bien particulier, qui nous est véritablement propre. Modeste Monigaba,
Vous disiez que nous devrions avoir effectivement des avant-gardistes pour nous guider dans ce travail. Vous avez été un petit peu contredit par Mobimba. Je crois que vous avez envie d'argumenter. Oui, je crois qu'il n'y a pas de contradiction, sauf qu'il y a une sorte de séquençage qu'il faut mettre en place. On commence par quoi pour ensuite aller à quoi, et ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, ce qui me semble le plus important, c'est d'abord redevenir propriétaire. Parce que, comme il l'a dit, Mao a d'abord cherché à organiser autrement la société chinoise. Dès qu'il a cru avoir mis en place les fondamentaux, à travers notamment la révolution culturelle, il s'est dit, maintenant les Chinois sont suffisamment et formatés exactement comme il doit être, on peut aller vers l'autre, vers le monde extérieur. Et lorsque Deng Xiaoping arrive, lui sait exactement comment il faut le faire, et c'est là que le boom a commencé. Oui, il ne triche pas avec l'histoire. En fait, Mao voulait rester dans sa révolution culturelle, mais Deng Xiaoping, et bon, à sa mort, a devié de manière intelligente, parce que si cette idée avait été découverte, il aurait pu y perdre sa vie. Et il faut que nous disions aux téléspectateurs que cette révolution culturelle s'est faite au péril. Il y a eu beaucoup, beaucoup de pertes en vies humaines, mais Mao voulait d'abord que le Chinois soit un homme, véritablement un homme, comme il voulait le construire. Oui, vous continuez. Ok, donc pour moi, je considère que cette évolution, c'est une évolution naturelle d'une société, parce que personne n'est éternel. Vous pouvez avoir votre vision, et les autres vont essayer de vous influencer pour aller dans la bonne direction. Parce qu'effectivement, comme vous dites, Mao était plus radical. Mais Chou En-lai, qui était quand même son premier ministre, c'est lui qui, quelque part, a protégé Deng Xiaoping pour qu'on ne les tue pas. Voilà. Parce que lui, il voyait que c'était finalement cette voie-là qui était peut-être la voie de la sagesse. Et moi, j'ai eu l'occasion de voir la Chine d'avant et celle d'après. Voilà. Celle d'avant, tout le monde était presque en uniforme. Oui. Et quand nous retournons plus tard, on a même des filles qui ont des petites robes, des petites mini-jupes. Oui. Alors, donc, je crois que nous, l'enjeu majeur, et c'est ça ce que Kofi Annan, à l'époque où il était encore secrétaire général des Nations Unies, a clairement montré que l'Afrique était malade par la faute de ses dirigeants. Il n'y a pas de doute sur ça. Le leadership africain n'est pas à la hauteur des attentes et des enjeux mondiaux. Parce qu'il continue à se comporter comme un commissionnaire des puissants d'hier et d'aujourd'hui. Donc, commencez d'abord par reconquérir ce pouvoir-là. Lorsqu'on dit choix des meilleurs, nous nous sommes laissés prendre jusqu'ici en croyant que les meilleurs, ce sont les universitaires. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut avoir un bon parcours académique, technique, etc., et être un truand aussi. Tout à fait. Donc, il faut organiser les choses de telle sorte que cela ne soit plus possible. D'ailleurs, il y a certains Chinois qui disent, il y a beaucoup d'Africains qui sont spécialistes en des auteurs européens. Mais où vont-ils aller avec tout ça? Proust, Proust, spécialiste de Proust. Voilà. Alors, au lieu d'aller à l'essentiel de ce qui les aidera à évoluer véritablement. Voilà, donc nous devons réfléchir sérieusement sur comment on arrive à secréter un nouveau leadership. Il ne faut pas y passer comme ça en disant il faut le faire et puis on passe à autre chose. Non, il faut s'y pencher, se demander comment concrètement on peut arriver à faire en sorte que seuls les meilleurs d'entre nous, au plan naturellement académique, mais aussi éthique et moral, comment faire en sorte que comment faire en sorte que nos dirigeants, depuis la commune, la collectivité, la province jusqu'au sommet, soient ceux-là seuls qui, effectivement, ont un parcours qui justifie qu'ils puissent être là. D'accord. Si nous arrivons à trouver la formule pour qu'effectivement cela émerge,
Ça va donc avoir comme corollaire que nous qui allons les faire émerger, nous allons faire en sorte qu'ils ne puissent pas divier une fois arrivés là. Tout à fait. Donc c'est un nouveau... Donc critère important, l'éthique. L'éthique. Parce que de temps en temps, on se perd un peu, ils nous ont laissé le champagne, nous commençons à en abuser. Oui, cher. Oui. C'est important, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Parce que nous avons été... La culture africaine a été détruite à nous. Il faut la reconstruire, la rebâtir. En commençant par les langues, est-ce que vous vous rendez compte que jusqu'à aujourd'hui, nos langues n'ont pas de place dans notre système d'enseignement? Est-ce que vous vous rendez compte? Nos langues n'ont aucune place dans le système d'enseignement. On est en train d'essayer de bricoler quelque chose pour l'école primaire, mais l'école secondaire, l'université, rien. Oui, mon cher, on ne devrait pas commencer d'abord par ceux qui sont dépositaires de nos cultures. Ils sont en train de mourir. Parce que si nous devons rebâtir l'âme africaine, eux sont en train de mourir dans les villages. Ouais. Ben, on refait ça. Jean-Pierre, j'y reviens, mais je voudrais ajouter ceci. La destruction de toutes les institutions africaines. Toutes les institutions traditionnelles africaines. Je parle, par exemple, comment on organisait le mariage. Il y a des initiations, je ne sais pas, des filles, des initiations des garçons, tout ceci. Peut-être dans tout ça, tout n'est pas parfait, mais il y avait des institutions. Comment régler les problèmes dans le village? Tout ça a été détruit. Par exemple, en Afrique du Sud, nous avons trouvé des personnes d'un certain âge pour nous dire qu'est-ce que vous rendez compte que vous venez du Congo. Vous avez un pays et des terres. Mais ici, nous n'avons pas de terres. Toutes les terres ont été prises par les boules et les autres là. Et on vous réunit dans un bantoustan, juste à côté d'une rivière, pour que vous puissiez puiser de l'eau à boire et vous construisez juste des cases à côté. Toute la terre n'est pas là. Vous, au moins, vous avez la terre. Donc, c'est pour dire quoi? Toutes les institutions ont été détruites. Et alors, ce qu'il faut, c'est... Je le dis dès le départ, il y a une étude de détecter, d'identifier quelles étaient nos valeurs d'autrefois. Et voir quelles sont les anti-valeurs que nous allons mettre de côté. Et maintenant, les valeurs-là, nous allons les inculquer, les codifier, les inculquer aux générations qui viennent. Oui, mais même ceux d'aujourd'hui doivent être. Je voudrais justement donner un exemple de ce que d'une institution de ce que, par exemple, du temps de Mobutu, l'Institut Makanda Kabobi, par exemple, des congrès où on allait à des congrès impériaux, non pas pour le raconter, je ne sais pas. Parfois, on disait des choses, comment le pays devait être, l'authenticité, c'est quoi, et tout ça. Et vous qui partez au niveau de l'université, qu'est-ce que vous devez faire de l'authenticité? Voilà les choses. Vous avez vécu au village, moi aussi, de temps en temps, du temps des vacances. Mais il se trouve encore des personnes qu'il faut peut-être aller rechercher, qui sont dépositaires véritablement de ce savoir, pour que nous puissions réécrire notre propre histoire. Voilà. Amadou Ampateba a écrit que en Afrique, lorsque un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et je pense, Kibambi, que la plupart des noms de bibliothèques ont déjà brûlé. Parce que je suis allé une fois en 2008 au village. Et je pose des questions pour savoir ce que... Il dit, mais nous, on sait que c'est toi qui écris, tu dois connaître tout ça. Ah bon? Les gens de ma génération, ils disent, c'est toi qui écris, tu dois nous le dire. Et nous ici, qui s'intéresse encore à ça? Parce que tous les jeunes gens, ils fuient le village pour aller en ville, parce que la vie est là, dans les villes. Et ici, tous les enfants nous abandonnent. Vous savez, il reste... Je vais vous laisser 2 minutes pour que vous puissiez... Oui, je dirais tout simplement que ne faut pas que nous puissions nous disperser et nous éloigner de ce qui est vraiment essentiel, à mon avis. C'est que
ce problème de leadership est le problème central qu'il faut régler en Afrique si nous voulons que le Congo d'abord, parce que le Congo, justement, la vocation africaine, le Congo doit se réveiller pour que toute l'Afrique se réveille. Beaucoup de gens n'ont pas encore suffisamment intériorisé cela. Aussi longtemps que le Congo restera dans le marasme comme il l'est aujourd'hui, toute l'Afrique sera un peu dans une situation un peu d'attente. Oui, donc, sommeil. Donc c'est vraiment la vocation africaine du Congo est, à mon avis, une évidence. Oui, dire à la jeunesse, vous avez peut-être des écrits qui traînent quelque part, ben, il est temps, des écrits de grand-père, mais montrez-les, ces écrits renferment des précieuses histoires qu'on peut remettre au goût du jour. Et vous les jeunes, et vous les moins jeunes, c'est important que vous sachiez que si la Chine, et ce qu'elle est avec tous ces, j'allais dire ces satellites, non, avec tous les autres pays asiatiques, s'ils émergent facilement et rapidement, c'est parce que eux-mêmes ont une âme qui leur appartient. Quand à cette âme ils ajoutent les quelques histoires qu'ils rencontrent dans leur marche, eh bien c'est beaucoup plus facile. C'est cela que, je pense, nous souhaitons pour notre avenir. Tout à fait. Parce que justement, un exemple me vient quand justement j'en peux vous parler là-bas. En Inde, j'avais causé avec les amis, vous êtes en train d'aller vers l'émergence et tout ça. Mais à côté là, il y a les non-touchables, les intouchables, ils sont encore là dans ces conditions-là, mais qu'est-ce que vous faites? Et le monsieur me dit, justement, nous ne commettrions jamais la faute qui a été commise en Afrique, et pas les Occidentaux, mais que vous n'avez jamais redressé. Que ces gens-là, il ne faut pas les détruire, ne faites pas ceci. Non, dans leur conscience, selon notre religion, c'est que quelqu'un a vécu avant, il a fait tellement de tort à la société, aux autres, il doit, quand il renaît, il doit être pauvre et souffrir comme ça pour payer ça. Et quand il reviendra à la vie prochainement, il pourra être heureux. Et alors, allez dire que ne faites pas ça. Vous les détruisez complètement et pour l'avenir. Donc, nous les laissons comme ça. C'est que simplement nous faisons, on a pris deux intouchables. On les a mis à l'école. Ils sont devenus là des capitaux. Il y a un qui est devenu un grand commerçant, il a beaucoup d'argent. Et on lui dit, voilà, maintenant tu as beaucoup d'argent. Ce que tu dois faire, c'est prendre quelques intouchables et faire de ce qui crée de petites et moyennes entreprises et vous les aidez, un hôpital où vous les mettez gratuitement. Et ainsi vous payez vos péchés. De cette façon-là. Voilà, il y a même un intouchable qui est devenu président. Tout ouais. Cela pour dire quoi? Pour dire que si nous continuons comme ça en croyant que, en copiant ce que nous sommes en train de copier éternellement, eh bien, on ne pourra pas se développer de manière harmonieuse. Nous resterions toujours derrière les autres. Nous voulions attirer l'attention de la jeunesse sur ces histoires qui sont importantes, qu'il ne faut pas négliger. Bonsoir, merci messieurs, et bonjour pour ceux qui nous suivront en rediffusion. Merci.